Tu es un sismologue qui travaille dans un observatoire géologique. Le matin, tu vérifies les équipements qui surveillent l'activité sismique et règles les instruments. Ensuite, tu inspectes les mouvements des plaques tectoniques. Soudain, l'un des appareils montre un signal étrange. C'est comme un petit tremblement de terre. Tu enregistres cette poussée et continues à travailler. Mais le signal se répète à nouveau. Un peu de temps passe et les appareils l'enregistrent pour la troisième fois. Tu comprends qu'il ne s'agit pas d'un tremblement de terre car le signal est trop faible pour cela. Il se répète toutes les 26 secondes et ressemble à un pouls. Le cœur humain pulse près du centre de la poitrine. Le pouls de la planète provient également de son centre, l'équateur. Tu appelles d'autres spécialistes et tu leur parles de ce phénomène inhabituel, mais personne ne sait de quoi il s'agit. De plus, tu ne parviens pas à déterminer la source de l'impulsion. Tu arrives à l'endroit d'où provient la vibration et tu ne trouves rien. Le sol continue de vibrer sous tes pieds, mais il est impossible de comprendre la raison. Dans les années 1960, cette impulsion appelée microséisme a été découverte par des sismologues américains. Plus de 50 ans ont passé, mais les scientifiques du monde entier ne connaissent toujours pas la nature de ce phénomène. Il semble que notre planète ait un cœur caché à l'intérieur de sa croûte, qui bat toutes les 26 secondes. Selon les chercheurs, ce cœur pourrait être situé dans la partie sud ou équatoriale de l'océan Atlantique, dans le golfe de Guinée. Cette zone est appelée le golfe du Biafra. Chaque hiver, le pouls devient plus fort, mais il s'affaiblit à nouveau en été. Quand les scientifiques ont commencé à explorer cet endroit, ils ont avancé une théorie selon laquelle l'océan pouvait être à l'origine de l'impulsion. Les vagues frappent le plateau continental de la planète. Cet impact déforme le fond de l'océan. Une main humaine qui frappe une table fonctionne sur le même principe. Assieds-toi d'un côté de la table et pose tes mains dessus. Laisse quelqu'un d'autre frapper la table depuis le côté opposé. Tu sentiras une vibration. Les vagues de l'océan qui frappent le littoral créent un effet similaire. Quelqu'un peut objecter qu'il y a des vagues partout dans le monde, pas seulement à l'équateur. Oui, mais c'est là que le soleil chauffe le plus notre planète. L'énergie solaire provoque des tempêtes et des vents puissants et accélère les courants océaniques et les vagues. De plus, en 1980, des géologues ont découvert que les tremblements de terre devenaient plus forts pendant les tempêtes. En d'autres termes, lorsque les vagues frappent le littoral avec plus de puissance. Mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord avec cette théorie. Certains chercheurs pensent que la planète a des pulsations à cause de l'activité sismique. Elle proviendrait d'un volcan situé sur l'une des îles du golfe du Biafra. L'endroit où l'impulsion était la plus forte est proche du volcan. Mais des analyses plus poussées ont montré que les tremblements de terre se produisaient dans toutes les parties du golfe de Guinée. C'est pourquoi les scientifiques ne peuvent toujours pas prouver aucune de ces théories. Notre planète ne pulse pas seulement de l'intérieur. La Terre est entourée d'un mince halo lumineux. Il change constamment de forme et brille de différentes couleurs. Si tu observes notre planète à l'aide d'un équipement spécial, tu verras que la Terre se trouve à l'intérieur d'une bulle qui pulse de façon irrégulière. Elle est située à une altitude de 80 à 640 km au-dessus de la surface de la Terre. Cette bulle s'appelle l'ionosphère. Il s'agit d'une couche de particules chargées qui sépare la haute atmosphère de l'espace. En d'autres termes, c'est la frontière qui sépare la région où l'on peut encore respirer et le vide complet de l'espace. La Station spatiale internationale voyage à l'intérieur de l'ionosphère. La plupart de nos satellites se déplacent également à l'intérieur des frontières de la bulle qui pulse. Ce phénomène naturel peut à la fois aider et perturber le fonctionnement des systèmes de communication et de navigation. Il aide les signaux radio et GPS à parvenir jusqu'à nos téléphones portables, mais il peut aussi interrompre la stabilité de la connexion. Tout dépend du nombre et de la densité des particules chargées. La lumière du Soleil enlève un ou deux électrons au gaz qui entoure notre planète. Et ils deviennent alors des particules chargées. Ces particules constituent l'ionosphère. Elles changent constamment de forme et de taille. Cela se produit parce que la planète tourne autour de son axe et que la lumière du Soleil tombe sur elle de manière irrégulière. Pendant la journée, l'ionosphère est toujours plus grande que la nuit. À cause de ce phénomène, elle palpite et bouge constamment. Cette instabilité raccourcit la durée de vie des satellites en orbite et les met souvent hors service. Les signaux radio et GPS traversent l'ionosphère et sont réfléchis par des particules chargées. Ils s'envolent ensuite vers leur destination, vers les téléphones, les navigateurs et autres appareils équipés de récepteurs GPS et radio. Notre planète ne fait pas que pulser, elle bourdonne aussi. Le bruit que la Terre produit s'appelle le hum. Oh,
il est impossible d'enregistrer ce son. Mais malgré cela, 2 à 4% des habitants de la planète l'entendent. Partout dans le monde, des gens qui ne sont connectés d'aucune façon parlent d'un bourdonnement bizarre. Il interrompt leur sommeil et les empêche de se concentrer. Ce bruit les suit partout. Peut-être que tu l'entends aussi, mais tu n'y fais pas attention. Mais une fois que tu auras détecté le hum, tu ne pourras plus le désentendre. Certains habitants d'un petit village d'Écosse décrivent ce bourdonnement comme un son épais, de basse fréquence. Il existe un site internet avec une carte où des personnes du monde entier s'inscrivent et décrivent ce bruit mystérieux. Presque partout, il s'agit d'une vibration à basse fréquence, à peine perceptible par l'oreille humaine. Parfois, les gens disent qu'il ressemble au bruit d'un avion qui passe au-dessus de leur tête, mais en moins bruyant. Certaines personnes le décrivent comme le bruit d'un moteur de camion en marche placé dans le jardin. C'est un bourdonnement dans la rue quand ils rentrent chez eux. Et il devient plus fort lorsqu'ils sont allongés dans leur lit. Si tu l'entends aussi, tu peux le marquer sur la carte. À une distance de 640 années-lumière du Soleil, les scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, sur laquelle il pleut du fer. La planète est très proche de son étoile et lui fait toujours face du même côté. On parle de rotation synchrone. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'évaporent. L'autre moitié de la planète est suffisamment froide pour que les métaux se condensent à nouveau et retombent sous forme de pluie. En parlant de rotation synchrone, il se passe la même chose avec la Lune. Notre satellite naturel n'a pas de côté sombre. C'est juste qu'il nous présente toujours la même face. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous appelons son côté sombre devient alors très lumineux. Mais il nous est impossible de l'observer depuis notre planète. Oui, c'est vrai que ça se tient. Une étude récente affirme que la Lune a une queue, et chaque mois, elle s'enroule autour de notre planète comme une écharpe, une fine traîne composée de millions d'atomes de sodium qui suit notre satellite naturel et que la Terre traverse régulièrement. Des pluies de météores dynamitent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire et les projettent loin vers l'espace. Cela peut paraître incroyable, mais la Lune semble être en train de rétrécir. Son diamètre fait aujourd'hui 46 mètres de moins qu'il y a quelques centaines de millions d'années. La raison de ce phénomène pourrait être le refroidissement des entrailles de la Lune. Cela pourrait également expliquer les séismes qui se produisent à sa surface. À ce propos, les astronomes ont récemment découvert que Mars est active sur le plan sismique et que des secousses y surviennent régulièrement. Pendant plusieurs jours chaque mois, la Lune reste entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité de la Terre capte la queue de sodium. Entraînée dans son sillage, elle forme une longue bande qui s'enroule autour de l'atmosphère terrestre. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est aussi invisible pour l'œil humain, d'une intensité lumineuse 50 fois plus faible que ce qu'il peut percevoir. Lors de ces rares journées, seuls de puissants télescopes peuvent repérer sa pâle lueur jaunâtre dans le ciel. La traîne lunaire ressemble à une tache brillante dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine lune. Il s'avère que de nombreuses planètes dans l'univers, même au sein de notre propre galaxie, contiennent de l'eau liquide ou gelée. La plus proche se situe dans notre système solaire, il s'agit d'Europe, un des satellites de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que sous sa surface gelée se trouve un véritable océan d'eau liquide. Mais il est encore trop tôt pour s'emballer concernant l'existence possible d'une forme de vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'un des nombreux éléments devant être réunis pour que la vie telle que nous la connaissons puisse apparaître. Une étoile de la galaxie GSN 069 est en passe de se transformer en une planète de la taille de Jupiter au cours du prochain trillion d'années. Cela pourrait arriver en raison de contacts réguliers entre l'étoile et un trou noir. Les astronomes ont d'abord remarqué des éclats de rayons X inhabituels et étrangement lumineux se déclenchant toutes les 9 heures. Après avoir suffisamment étudié le phénomène, les scientifiques ont réalisé qu'il s'agissait d'une étoile en orbite autour d'un trou noir. Les éclats lumineux n'étaient autres que la matière à sa surface en train d'être aspirée par le trou noir. Il s'est avéré qu'en plusieurs millions d'années, le trou noir avait déjà transformé la géante rouge en naine blanche et le processus n'est pas près de s'arrêter. Les astronomes ont trouvé quelques traces de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur notre planète, ce gaz incolore et inflammable se trouve souvent là où vivent des microbes. Pas étonnant qu'une nouvelle théorie suggère qu'il pourrait y avoir de la vie sur Vénus. Cependant, même s'il y avait de la vie sur celle qu'on surnomme parfois l'étoile du berger en Occident, elle n'aurait pu apparaître que dans son atmosphère.
aucun organisme vivant n'est a priori capable de survivre à l'environnement extrême de la planète. La surface de Vénus est extrêmement sèche et ne comporte pas d'eau liquide. La pression y est 90 fois supérieure à celle qui s'exerce sur Terre. Les températures dépassent souvent les 480 degrés Celsius, ce qui est assez chaud pour faire fondre certains métaux. Pas très engageant comme projet de vacances. En revanche, à des millions d'années-lumière de nous, il existe un nuage spatial flottant entièrement composé d'eau. Il en contient tellement qu'il pourrait remplir tous nos océans 140 trillions de fois, soit juste un tout petit peu plus que ce qu'il nous faut. L'origine de l'eau sur Terre est une mystérieuse énigme. La théorie la plus répandue explique que nous devons sa présence aux comètes et astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux de gigantesques cratères, mais également la précieuse substance liquide qui nous a permis de nous développer. Mais dans l'espace, il y a énormément de matière organique, et dans des conditions spécifiques, celle-ci pourrait produire une quantité d'eau suffisante pour remplir nos océans des milliers de fois consécutives. Des chercheurs ont conduit une expérience qui consistait à faire chauffer cette matière organique. Au cours de cette recherche, ils auraient réussi à obtenir de l'eau claire et du pétrole. Si ce résultat est confirmé, cela pourrait signifier que le pétrole provient non seulement des restes fossilisés d'êtres vivants, mais encore qu'il a pu arriver depuis l'espace. Il pourrait bien y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre, rien que dans la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et attention, pas n'importe quelle planète. Elle aurait un noyau, une surface rocheuse et serait d'une taille comparable à celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir le berceau de créatures vivantes, ne serait-ce que des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut affirmer sans risque qu'au moins l'une d'entre elles est potentiellement habitable, voire même déjà habitée. On dit que quelque part, il y a un stylo qui peut fonctionner en apesanteur, à des températures extrêmes et même sous l'eau. Que ce stylo peut écrire sur quasiment toutes les surfaces, même à l'envers, et ce par des températures pouvant atteindre les 300 degrés. On dit aussi que la NASA a dépensé des millions, voire des milliards de dollars et presque une décennie pour développer un tel objet. Le problème des stylos à billes dans l'espace est qu'ils ne fonctionnent pas dans les conditions d'apesanteur. L'encre ne peut pas s'écouler vers la bille normalement, puisque la gravité ne l'affecte pas. Au lieu de cela, une pression est appliquée au réservoir d'encre et les stylos se mettent à fuir. Jusqu'à récemment, la NASA utilisait donc des crayons à papier. Ceci étant composé de bois, ils représentaient un risque d'incendie dans la plupart des vaisseaux spatiaux de l'époque, dont l'atmosphère interne était composée à 100 degrés d'oxygène. La nécessité d'un super stylo était donc évidente. Mais quoi qu'en disent les rumeurs, la NASA n'a pas créé un tel stylo, ni dépensé une fortune pour la recherche. Son développement a été sponsorisé par Paul C. Fisher de la Fisher Pen Company, basée à Chicago. Plus d'un million de dollars et près de 10 ans ont été nécessaires pour mettre au point une cartouche d'encre pressurisée. Elle devait permettre aux stylos spatiaux de fonctionner en gravité zéro et dans d'autres conditions extrêmes. En définitive, ils ont obtenu un stylo qui pouvait s'utiliser à des températures allant de moins 35 degrés à 120 degrés. Impressionnant, n'est-ce pas? Le stylo a été breveté en 1966. Un an plus tard, après avoir conduit plusieurs tests approfondis, la NASA a entrepris d'en équiper les astronautes des missions Apollo. Étonnamment, les rumeurs selon lesquelles la NASA a dépensé une somme démentielle pour le développement de stylos spatiaux circulent depuis des décennies. Elles ont été démenties à de nombreuses reprises, mais elles refont surface encore et encore. De nombreux films de science-fiction peuvent te laisser penser que tout ce qui se passe dans l'espace est accompagné d'un genre d'effet sonore, ce qui est une idée reçue totalement fausse. Dans l'espace, personne ne t'entend crier. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. C'est un vide presque parfait qui rend le déplacement des ondes sonores impossible. Elles ne peuvent donc pas atteindre tes tympans et les faire vibrer afin d'envoyer les signaux nécessaires à ton cerveau. Mais c'est une bonne chose, surtout pour les astronautes au cours de leur sortie dans l'espace. Sans le calme du vide spatial, ils seraient constamment submergés par le bruit des tempêtes solaires. Voici une autre idée reçue. Toutes les comètes ont de belles et longues queues. Ce n'est rien d'autre qu'un mythe populaire. En réalité, les comètes sont des corps spatiaux très difficiles à repérer. Elles passent généralement beaucoup de temps loin des étoiles. Là, dans l'obscurité de l'espace, elles restent plutôt inactives et complètement gelées. Les comètes n'ont une queue que lorsqu'elles se rapprochent d'une étoile. C'est à ce moment-là qu'elles commencent à se réchauffer.
Ce processus les conduit à développer une sorte d'atmosphère nuageuse qu'on appelle coma et une queue distinctive. La queue pointe toujours du côté opposé de l'étoile qui influence la comète car elle est poussée dans la direction opposée par le rayonnement et les vents solaires. C'est pourquoi la queue peut aussi se trouver devant la comète et non à sa suite. Voyons maintenant ce qu'est une année-lumière. Le nom même de cette notion peut laisser entendre que nous parlons de temps. Mais en réalité, les années-lumière sont une unité de distance. La définition de la NASA d'une année-lumière est la suivante. La distance totale qu'un faisceau de lumière se déplaçant en ligne droite parcourt en un an. Et comme la lumière se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde, une année-lumière équivaut à presque 9 000 milliards de kilomètres. Les gens croient souvent qu'on expérimente la gravité zéro dans l'espace. D'où la pesanteur qu'éprouvent les astronautes dans la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La gravité est l'une des forces les plus importantes qui existent dans l'univers. Grâce à elle, la Lune peut tourner autour de la Terre et le Soleil ne dérive pas loin de notre galaxie, la Voie lactée. Les astronautes de l'ISS ne subissent pas une gravité nulle, mais une microgravité. La gravité sur la Station spatiale est seulement 10% plus faible que la gravité à la surface de la Terre. Mais les astronautes sont constamment en chute libre. Le véhicule spatial, les personnes qui s'y trouvent et tous les objets à bord tombent sans cesse vers l'avant, pas vers le bas, mais autour de notre planète, en suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets à l'intérieur semblent flotter. C'est pourquoi les astronautes peuvent déplacer des objets pesant des centaines de kilos du bout des doigts. Et même si la microgravité est souvent appelée gravité zéro, ce sont en fait deux choses très différentes. On peut avoir l'impression que le Soleil est toujours en feu. Du moins, c'est l'impression que donnent les photos. Mais en réalité, notre étoile est une boule géante de gaz. Les réactions nucléaires qui se produisent en permanence dans son noyau font brûler le Soleil. Chaque seconde, des centaines de millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en presque autant d'hélium. Durant ce processus, d'énormes quantités d'énergie sont libérées sous forme de rayons gamma. Ensuite, ces rayons se transforment en lumière. En d'autres termes, le Soleil émet effectivement une lumière aveuglante et une chaleur incroyable. Mais il n'est pas réellement en feu, car il n'y a pas d'oxygène impliqué dans le processus. Un humain peut exploser s'il sort dans l'espace sans combinaison spatiale. Et bien contrairement à la croyance populaire, enlever une combinaison spatiale pendant une sortie dans l'espace ne sera pas aussi dramatique que ce que l'on voit souvent dans les films. La personne perdra tout simplement conscience en raison d'un manque d'oxygène après 15 secondes de présence dans l'espace sans protection. Avant que cela n'arrive, il lui faudra expirer autant d'air que possible, sinon cet oxygène endommagera ses poumons de l'intérieur. Ensuite, sans la protection de la combinaison spatiale, qui agit comme un mini-vaisseau spatial, la pression à l'intérieur de son corps va chuter. Cela provoquera des problèmes encore plus graves. Et même si cette personne n'éclatera certainement pas, elle n'aura pas intérêt à rester dehors trop longtemps. Une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont en quelque sorte survécu à la grande explosion des supernovas. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement consumée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, lequel était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale n'était peut-être pas assez puissante pour détruire l'étoile, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Une autre de ces étoiles zombies est une ancienne naine blanche, ou un résidu d'explosion qui a englouti tellement de matière d'une autre étoile qu'étonnamment, elle a explosé de nouveau. Si tu vas sur la Lune un jour et que tu vois des empreintes fraîches, cela ne signifie pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou autres marques similaires peuvent y rester un million d'années, car la Lune n'a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas de vent qui pourrait lentement effacer ces empreintes. Dans l'espace, tu serais assez fort pour souder deux pièces de métal ensemble avec tes propres mains. Ok, ça n'a rien à voir avec la force. Tu aurais juste à les presser ensemble et c'est tout. L'oxygène de notre atmosphère forme une fine couche à la surface du métal qui agit comme une barrière. C'est pourquoi ce tour de force, impossible sur Terre, est parfaitement plausible dans l'espace. D'ailleurs, si tu y vas un jour, n'enlève pas ta combinaison hors du vaisseau spatial. L'air dans tes poumons se dilaterait ainsi que l'oxygène se trouvant dans tout ton corps et tu gonflerais comme un ballon. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour t'empêcher d'exploser. Maigre consolation. Si tu regardes un film émouvant dans l'espace et que tu te mets à pleurer,
tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour de tes globes oculaires, tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide à la surface de ton corps s'évaporera, y compris la salive sur ta langue. En parlant de brûler, on ne peut pas faire de feu dans l'espace car il se nourrit d'oxygène et comme il n'y en a pas dans l'espace, si un incendie se déclare dans une navette, il suffit de couper le système de ventilation. Cela deviendrait plus compliqué si de la fumée se produisait et que certains matériaux fondaient dans des conditions de gravité réduite. Les extincteurs à mousse ordinaires que nous utilisons sur Terre sont d'ailleurs inutiles ici, car ils libèrent de la mousse de manière disparate. Des chercheurs sont en train de mettre au point un extincteur qui éteindrait les incendies en utilisant des ondes sonores. Plus l'intensité du son est élevée, plus il peut éteindre de grandes flammes, mais les astronautes risquent de devenir sourds si la fréquence est trop élevée. Un trou noir n'est pas un monstre affamé qui se balade et à la gravité duquel rien ne peut échapper. Lorsqu'une chose s'approche du point de non-retour, que nous appelons aussi l'horizon des événements, elle disparaît sans jamais revenir en arrière. Mais selon la physique quantique, rien ne peut véritablement être réduit à néant. Il s'agit donc d'un paradoxe. C'est Stephen Hawking qui a pensé que les trous noirs n'avaient pas vraiment d'horizon des événements. Peut-être ont-ils des horizons apparents qui emprisonnent les choses pendant un certain temps et que l'énergie piégée finit par s'échapper sous une forme différente. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme un spaghetti. Cela se produit parce que la forme gravitationnelle tente d'étirer un objet dans une direction tout en le comprimant dans une autre. Autre paradoxe. D'ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une énorme montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée qui s'appelle Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils. Mais heureusement, il est très loin de nous. Plus de 23 000 débris spatiaux plus gros qu'une balle de baseball flottent au-dessus de notre planète, en se déplaçant à plus de 28 000 km par heure. Et il y en a environ 500 000 qui ont la taille d'une bille. Les déchets spatiaux sont généralement des débris composés de particules naturelles appelées météoroïdes et de particules artificielles, comme celles que nous fabriquons sur Terre. Les météoroïdes tournent en orbite autour du Soleil, alors que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de la Terre. Nous avons lancé environ 9000 engins spatiaux de par le monde, satellites ou fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial avec des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles. Les corps célestes sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace, mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Elle pourrait constituer 25% de l'univers. L'énergie noire constitue le reste des 70% de l'univers. Les scientifiques ne savent pas grand-chose à son sujet, mais ils pensent que l'énergie noire pourrait être à l'origine de l'expansion croissante de l'univers, tandis que la matière noire la ralentit. La matière noire n'interagit ni avec nous, ni avec elle-même. Si c'était le cas, nous trouverions des galaxies de matière noire, des planètes de matière noire ou d'autres objets de ce type. Les astronomes ont trouvé par hasard le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. Il s'agit du vide géant qui s'étend sur 1 milliard d'années-lumière. L'un des membres de l'équipe s'ennuyait et a voulu voir comment les choses se passaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique ou FDC.